Attends, on dirait que j'ai un carré. Mais non, regardez, mes cheveux sont plus longs. Nous sommes mardi 4 janvier. Ouais, ça doit être ça, enfin, on est mardi en tout cas. Il est 13h30. Je vais aller manger parce que j'ai pris du temps. En fait, moi, tant que c'est pas réglé dans ma tête, là, j'avais un truc à régler. Et j'attendais que ce soit résolu, donc c'est bon. Hier, c'était un peu le même délire. En ce moment, c'est un petit peu le même délire, mais je suis tellement... Comment on dit? Pas monomaniaque, mais j'aime bien que ce soit bien, que ce soit fait. Ce qui est très paradoxal, parce qu'à côté de ça, vous iriez dans ma chambre, c'est le foix, c'est le bordel. Voilà. Pour d'autres choses, non. Ma machine qui est en train de sonner, il faudrait que je l'étende. Je vous disais donc, je vais aller manger et j'ai envie de manger un truc un petit peu plus conséquent ce midi. Là, j'ai envie que ça me tienne. D'autant plus que je mange pas tôt quoi le soir, donc c'est long. C'est long. Je vais éteindre la machine. Nous sommes dans une zone un peu sombre. Ce matin, j'ai reçu un gros carton. C'est les trucs pour caler dans les box. Et j'ai reçu mes cartons aussi. Eric est parti au boulot, je suis en train de voir, il a laissé sa game room allumée. J'étendrai tout après. Voilà, ça c'est le gros carton pour tout ce qui est calage. Et ça c'est tous les cartons, là, il y en a encore dans une autre pièce. Ça aussi, ça serait bien d'aller le ranger. J'ai fait tomber le truc des croquettes de Jackie, donc il fallait que je me dépêche de tout, d'aspirer l'excédent avant qu'il se jette dessus. On va allumer, hein. Je suis désolée, il est 13h46, mais bon. Pendant que ça chauffe, oh, je papote. Vidéo qui est sortie hier où on voit le gars Eric. Et certains se sont dit, mais Caro, t'avais dit que tu le montrerais jamais. J'ai jamais dit que je le montrerais jamais. Déjà, c'est pas moi qui décide, c'est lui. Par rapport à son boulot, il est enseignant dans un lycée. Mais de temps en temps, et c'est pas la première fois, on le voit de façon furtive. Là, on le voit un petit peu plus longtemps. Il avait des lunettes de soleil, mais après c'est lui. Il m'a dit, oui, c'est bon. Si il est ok, moi je publie. Hein. Et de temps en temps, bah, il sera ok, donc je publierai. Et tant mieux, c'est cool. Voilà. Je trouve mon petit pull ravissant. Ne me demandez pas d'où il vient, je ne sais plus. Ouais, d'accord, bon, j'ai viré l'étiquette parce que moi, les étiquettes, ça me gêne. Vraiment très très mignon, mais je vous dis, ça doit faire 2 ans que je l'ai, donc impossible de... Je me souviens plus, je me souviens plus du tout. Ah non, mais par contre, faut que je vous montre quelque chose, là, c'est pas possible. Regardez, là, il y a un fauve. Quand il se met comme ça, c'est qu'il a très envie de jouer. T'as envie de jouer à la baboule, mais papa, il est parti. Mais oui, t'es beau. Ça va être une petite purée de lentilles corail potimarron, un steak de soja à la tomate et du pain enzyme. Et peut-être je vais mettre des noix. Ça donne envie. Oui. Va à ta place, s'il te plaît. Dépêche-toi. Il n'en a rien à foutre. Mais vraiment, aucun respect de sa mère. Dépêche-toi. Je compte jusqu'à 3. Je vous dis, ça serait Eric, il serait direct. Rien que de le voir, en fait. Il n'a même pas besoin de... Ça s'appelle l'autorité. Comment? Si j'essaie de le pousser. Ah si. Oh, il est vexé. Quand tu veux, t'y arrives. J'aime bien prendre ce pain azim, c'est particulier, hein, je suis d'accord. Mais moi, ça, en accompagnement, en guise de pain, ça passe. Il y a eu une interruption des programmes. J'étais en train de manger, j'ai eu un appel pro. Et ça a duré au moins 3 quarts d'heure. Résultat, il est quoi? 3h11, super. Je me suis rendu compte en téléphonant que j'avais mis mon pull à l'envers. Donc je suis en mesure de vous dire, parce que l'étiquette est là. Gémeaux... Voilà, je vais manger mon dessert maintenant. Il y a un lit de fromage blanc et puis c'est comme de la confiture quoi en dessous. C'est bon, c'est bon. Non, tu vas pas manger tout le temps, tiens, allez. Baboule, baboule. Il caille dans la maison, c'est pas possible. Hein. On est en phase descendante là. Je vais finaliser ce que j'ai commencé. Il faut que je le monte là, le sapin, il faut que j'aille le ranger. Arrête Jack, comment il fait? Je vais quand même regarder. Non mais tu m'étonnes que je caille. Vous savez combien il fait dans ma maison? 17 degrés. Qui met 17 degrés dans sa maison? Non, mais ça va pas du tout. Il s'en fout, lui, il est au chaud, il sait. Et moi, il me laisse, parce qu'en plus, ça repart à 16h, en fait. Arrête! T'as un ventre sur pattes, il est 3... Ah, si, remarque. Si, si, c'est 3h30. Bon, je te mets un peu de croquettes avant l'heure, mon Jackie. Un peu. Par contre, arrête de me... Ça devrait le calmer un peu. En fait, je lui mets une dose, 80 grammes, et il dépasse pas de la journée. Après, je séquence, enfin, je scinde en 3-4 repas en fonction de sa demande. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Le nouveau, la robinet, ça devient un plaisir sur la vaisselle. Avec l'eau chaude, la pression, il est top, en plus d'être beau. Franchement, c'est cool. Hein. Très, très bon investissement qui coûtait 79, je crois. Ça a un coût, mais bon, ça reste tout le temps. Après, c'est de l'inox, donc forcément, vu que l'eau est très calcaire... T'as intérêt de mettre du produit. Enfin, moi, je mets du vinaigre blanc. C'est ce qui...
qui marche, on va dire. On va se faire une petite vaisselle. Par contre, c'est inversé. Eric a fait le montage, c'est-à-dire que l'eau chaude, c'est l'eau froide, inversement. Mais c'est pas grave. Vous voyez ? J'adore. Tape une fois, ça fait ça. Et deux fois, c'est la douche. Vaisselle faite. Je m'occupe de laver la gazinière maintenant. Et aussi, parce que le linge tout à l'heure, j'avais oublié avec le téléphone. J'avais éteint. Il faut que j'aille tendre le linge maintenant. Je vais jamais faire ce que je dois faire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est terminé. J'ai laissé nos deux petites tasses. C'est ce qu'on utilise pour le matin. Donc ça reste ici. La gazinière, tout est fait. Nickel. Et maintenant, je vais là-haut. On éteint bouteille d'eau. Bisous mon Jackie, à tout à l'heure, ciao Pantin. Taito, hop, ça. Bonjour, c'est ici qu'il faut étendre le linge. Attends, je vous pose juste ici pour vous montrer un truc. Je suis rentrée dans la salle de bain depuis que j'ai ouvert, là. Ça sent bon, ça sent très très bon. À chaque machine, j'utilise ça. C'est le Sanitol, là, désinfectant. Ça enlève les bactéries, les mauvaises odeurs. Donc je mets un bouchon et j'alterne avec ma lessive. Qui sont également très bons. Ariel, propre et frais, zeste d'agrumes. Oh là là, j'adore. Par contre, effectivement, là, on est un peu à contre-jour. Fin. Est-ce que j'ai foutu mon téléphone? Je suis sûre que j'ai laissé en bas. J'emmène toujours ma bouteille avec moi, comme ça, je pense plus facilement à boire. J'appelle la poste. Pour leur demander de me prévoir, c'est eux qui me fournissent un petit feuillet transparent dans lequel je mets les bordereaux. Expédition, donc vu que je ne vais pas tarder d'ici quelques jours. Oui, bonjour, c'est Caroline, Box le Boudoir. Oui, bonjour. Vous allez bien? Mais je passerai d'ici quelques jours. Hein. Oui, si c'est au plus tard, oui, ça va. Au revoir. Au revoir. Et bah heureusement que je les ai appelés. Parce qu'ils ont passé la commande hier et il faut 15 jours. Donc c'est bon, ils ont demandé à quelqu'un d'autre, ils vont m'en commander. Donc là, ils vont m'en prendre plein parce que vu que les commandes ont quand même doublé. Ensuite, je sais qu'il faut que j'appelle quoi? Ah oui, il faut que j'appelle mon imprimeur pour savoir si j'en ai imprimé un. J'en imprime toujours un avant de tout imprimer pour faire les petites photos, pour vous le présenter. Et je serais bien passée le chercher là tout à l'heure. Faut que je traite ça aussi. Il y a toute la compta. Franchement, la compta, je vais me caler une journée entière. Je vous ai dit, ça prend un temps fou. Faut que je fasse toute la compta parce qu'après, il y a l'URSSAF. Donc là, il va falloir. Comment on dit? Il va falloir déclarer les trois. Oui, allô? Oui, bonjour, Caroline. Non, j'étais dans la paperasse là. Alors attendez, je range tout. Ça pourrait être pas mal parce que ça, j'ai encore jamais mis dans mes box. En fait, téléphone terminé. Oh, c'est trop bien. Ça va faire partie d'une prochaine box. Donc j'étais quand même sur le point d'appeler mon ce qui va fermer. Il est 4h déjà. Non, il va pas fermer, mais bon. Pour l'appeler, savoir s'il avait fini le flyer. Ah, super. Donc je peux passer, vous fermez à quelle heure? 18h? Ok, bah je vais passer alors. Tout à l'heure, merci. Au revoir. Yes. Bon, bah j'y vais pas. Attends, parce que j'ai eu d'autres messages. Je suis pas convaincue là, par contre. Ah, j'ai reçu des propositions, je suis pas convaincue. Et quand je suis pas convaincue, bah non. Bah non. Eric vient de rentrer. Pourquoi tu dis que t'es déjà en week-end alors qu'on est mardi? Parce que demain je travaille pas. Ah oui, mercredi, oui. Et je me suis dit que si je me mettais dans la tête que le mardi c'était comme un vendredi, ouais. Et le mercredi comme un dimanche, et bah j'avais deux week-ends dans la semaine. Ah oui, d'accord. Obligé de me coller comme ça, t'as vu comment il fait sombre? Il a mis ses lunettes aujourd'hui. J'ai un souci. Ah oui, t'as un souci. Ces lunettes-là pour la vie de tous les jours, bon, j'ai envie de dire ça passe. Mais dès l'instant où tu travailles sur un écran et que t'as besoin d'avoir quelque chose de précis, je pense que pour les gens qui travaillent sur un ordinateur, un écran fixe, hein, les foyers fixes, c'est mieux. Moi je t'ai dit, hein, je ne suis pas opticienne ou quoi, il faut que tu ailles. Eh ben, il faut que tu ailles leur en parler. Et tu vois le muscle? C'est froid, bébé, c'est de l'acier. J'ai rendez-vous. Avec qui? Avec mon imprimeur. Salut, Jackie. Oh. Ah, salut. Tranquille, hein, Jackie. Hein. Je voudrais pas que tu forces trop, quand même. Hein. Regardez-moi ça. La papoute. Elle est où, la papate? Elle est là. Il est comme ça depuis ce matin. Il est comme ça depuis toujours. Ouais, j'avoue. Ça te dit, soir, on mange un truc cool? Oui, on mange quoi? McDo. C'est cool, McDo, non? C'est bien, ouais. Je sais pas.
Putain, non, je suis bloquée. J'adore ma tenue. Regardez, ça c'est de la tenue toute simple, mais tellement confort. Les hugs, évidemment. Je vous le montre. C'est trop joli. Très très joli, attention. Flyer de janvier. Est-ce que c'est net? Avec un petit effet un peu glossy. T'as pas envie d'être dans ce chalet, franchement. Regardez-moi ce ciel. Je suis revenue! Voilà. Lui aussi, il est devant son jeu, j'entends le clic. Donc il a le calme, donc il ne m'entend pas. Ah, toi tu accueilles ta mère. Tu vois, lui il accueille sa mère. C'est bien mon pilou-pilou. 17h! T'es content de la voir ta mère? T'es beaucoup content? Monte, fais le bisou. Non? Ça va pas? Je vais faire une petite photo, c'est pour ça que j'ai les projos dans la tête. Quand t'as des lunettes, ça va pas. Ah, si, faut, si je mets comme ça, il n'y a pas de reflet avec mes lunettes. On va tout installer. Je vous reprends, il est presque 19h. Je suis enfin décidée. À démonter le sapin. Je vais le monter comme ça, moi, ça va être tout déblayé. Non. Alors lui, t'aurais peur là-dedans. Tu veux que je te montre? C'est tout noir, il y en a partout. C'est pas pour les bébés, ça. On n'en a pas reparlé, mais on se fait McDo ou je prépare à manger? Comme tu veux. Bah, je sais pas, ouais. Finalement, on a commandé McDo. Il est 7h10, on n'a jamais mangé aussitôt. Et on va aller chercher. Faut que je finisse. Avant de partir, je mets tout dans la petite boîte, les décos de la Noël. Je range les décos, puis on y va. Elle est quand même très très belle, cette boîte. Elle est tellement jolie que je l'ai mise dans l'entrée. Les choses ont repris un peu leur place, même si moi, j'aimerais beaucoup mettre un meuble ici. Comme ça, d'angle. Je trouve ça fait vide, mais bon. Bon, j'ai pas besoin de confirmer, on est au McDo. Hein. On n'est quand même pas les seuls à avoir eu cette idée. Hein. C'est rassurant, je sais pas. En fait, je vlog avec mon téléphone. Je me suis rendu compte qu'on a oublié, on voulait prendre des glaces. Donc il faut... Eric est dans la voiture. Je dois attendre dans la zone. Je savais même pas, remarque, je vais jamais dans le McDo. On fait toujours en drive. Il n'y a pas grand monde, hein. Évidemment, mon masque est pété, sinon c'est pas drôle. C'est les deux glaces. C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, mon chauffeur qui arrive.